Alors le Chof Israël ce matin, la Gemara, c'est Eruvin 82a. Goufa, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kol makom shamar Rabbi Yuda ematai ubame mishnatenu, eno el farish divrei chamim. Rabbi Yochanan Amar, ematai lefarish, ubame lahlok, vematai lefarish. Vatnan, elo hem psulim, mesachek bakubia, umalave beribit, umafrichei yonim, vesochrei shviit. Top. Amar, dit la Gemara, dans le judaïsme, dans la Torah, il y a beaucoup de fois où on a besoin de témoins. Il y a beaucoup de fois où on a besoin de témoins. On ne peut pas avoir moins que deux témoins. Deux témoins, c'est le minimum. Okay? Maintenant, les deux témoins doivent être aussi kachers. Qui veut dire kachers? Ils sont d'abord shomer Shabbat. Ils ne se rasent pas à la lame. Ça veut dire qu'ils n'utilisent pas la gilet, toutes choses comme ça. Okay? Et ils doivent manger kachers. Et il faut qu'ils soient vraiment des gens kachers. Parce que s'ils ne sont pas kachers, c'est un problème. Je vous donne un exemple de la halakha, par exemple. Un couple se marie. Après 10 ans, malheureusement, ils ont des problèmes. Mais le mari ne veut pas donner le divorce à sa femme. Qu'est-ce qu'il fait? Il déménage et il laisse sa femme. Maintenant, le Bedin ne peut pas courir après lui parce qu'un jour, il est là-bas. Maintenant, la première chose que le Bedin va lui dire, madame, emmène-nous ta ktouba. Emmène la ktouba. On veut voir ta ktouba. Qu'est-ce qui est écrit là-dedans? Tov. Elle emmène la ktouba. Il voit, tout est bien écrit. Dites-nous, madame, c'est écrit ici en bas, il y a deux témoins. C'est écrit Réhouven, fils de Yaakov. Est-ce que tu connais Réhouven, fils de Yaakov? Oui, bien sûr que je le connais. C'est un bon ami à nous. Est-ce qu'au temps du mariage, c'était un shomer Shabbat? Il dit non, il n'était pas shomer Shabbat. Même aujourd'hui, il n'est pas shomer Shabbat. Ah oui, madame, tu peux aller te marier. Ta ketouba n'est pas valable. Si un gars qui n'est pas shomer Shabbat a signé ta ketouba, la ketouba n'est pas valable. Ça veut dire que tu ne t'es jamais marié. Alors dans ce cas, tu n'as pas besoin d'un guette. Ah mais comment, j'ai vécu avec le gars? Oui, tu as vécu avec le gars. Comme une conjointe de fait. Mais même s'il y a des enfants, ce n'est pas des bâtards. Les enfants sont d'une mère juive et ils sont juifs. Mais la ketouba ne tient pas, alors le mariage n'a pas tenu. Dans ce cas, tu fais un autre, mais le gars il s'est sauvé. Alors dans ce cas, la madame n'a pas besoin d'avoir un guette. On peut lui laisser partir. Mais ça, c'est pas n'importe qui décide ça. Ça, il faut que tu le mets. C'est pour ça qu'on dit, quand tu vas dans un mariage, quand tu te maries, le mariage, demain, le lendemain, tout le monde va oublier qu'est-ce qu'ils ont mangé. Tout le monde va oublier la musique. Tu t'es le mariage. Oui, j'oubliais déjà qu'est-ce que je mangeais. J'oubliais déjà la musique qu'il y avait. Mais une chose qui reste de tout ce mariage, toute cette soirée, tu investis 100 000 $, sache que les 100 000 $, c'est pour les témoins. Et tu as intérêt, et eux, ils sont gratuits. Eux, c'est gratuit. Le mariage t'a coûté 100 000 $ que tout le monde va oublier. Eux, ils sont gratuits. Mais eux, ils restent à vie. Le témoin, il reste à vie. Ça veut dire que tu as intérêt de choisir deux personnes qui n'ont aucun lien familial avec toi. Ni ton cousin germain, ni l'oncle de ta mère, de ta femme, ni rien du tout de ça. Un témoin qui n'a... Non, complètement étranger. Complètement étranger. Mais tu as besoin d'avoir qu'il est shomer Shabbat. Et pas seulement le shomer Shabbat, il ne se rase pas avec une lame. Parce qu'il y a des gars qui shomer Shabbat, ils disent non, je ne peux pas me raser. Non, monsieur. Tu poses la question. Seulement, tu offusques les gars le soir du mariage. Le rabbin ne connaît pas tes témoins. Ne viens pas te plaindre du rabbin. Après, le rabbin, ils peuvent des fois voir. Il voit un gars, il dit, il n'a pas l'air shomer Shabbat celui-là. Alors, il peut te dire, est-ce qu'il est shomer Shabbat? Et ça arrive plusieurs fois. Des fois, tu choisis quelqu'un qui est proche de toi, un ami ou quelque chose comme ça. Et le rabbin pose la question, est-ce que tu es sûr qu'il est shomer Shabbat? Si tu dis non, il n'est pas shomer Shabbat, dis-lui, écoute, prends-le comme témoin civil. Tu sais, dans le civil, tu peux avoir deux témoins dans le civil. Tu peux avoir mère et une femme qui témoigne le civil, ce n'est pas un problème. Mais quand il s'agit de la ketouba, il faut que le gars il soit 100% kasher. Shomer Shabbat, ne se rase pas à la lame, mange kasher, tout ce que tu veux. Okay? Ça, c'est quelque chose. Maintenant, la Mishnah nous enseigne ce matin, selon Rabbi Yuda, selon Rabbi Yochanan, il y a des autres gens qui ne sont pas kasher. Le gars qui joue les dés, avec des dés, joue des cartes et tout ça pour l'argent. Il joue poker, il joue remis, il joue tout ce jeu. Ce gars-là, il n'est pas caché pour témoigner.
Okay? Il n'est pas cachère. Okay? Après, il te dit, il va au casino. Il va au casino. Il n'est pas caché pour témoigner, pour témoigner. On ne fait pas avancer à personne. Ouais. Pas de commentaire. Après ça, il dit, il y avait des gens qui jouaient au Blue Bonnet. Ouais, ouais. Mais le Blue Bonnet n'existait pas au temps des Talmud. Qu'est-ce qui existait? La course de pigeons. Aujourd'hui, c'est la course de chevaux, la course de chiens. Mais à l'époque, c'était la course de pigeons. Le gens entraînait des pigeons et il faisait voler le pigeon et les gens pariaient. Ils faisaient une caisse, ils pariaient sur le pigeon. Ils mettaient 100 dollars, 1000 dollars et tout ça. Et alors, il te dit, « Mafricheonim », des gens qui font ça. « Sochare cheviit », le gens qui font affaire avec le fruit qui pousse la septième année, qui est l'année sabbatique, qu'on n'a pas le droit de vendre. Tout le monde a le droit d'utiliser gratuitement. Un propriétaire d'un champ n'a pas le droit de fermer son champ. Tous ces gens-là, comme ils sont en défaut envers la Torah, ils ne sont pas cachés pour le témoignage. Ok? Alors, pour dire, quand tu as quelque chose religieux à signer et tu as besoin de témoins, Ken, assure que le témoin soit 100% cachère. Parce que c'est ça qui va donner toute l'importance et la valeur à ton contrat. Baruch Adonai Leolam.